Maman, j'y vais. Biko, ne perds pas de temps. Vas-y juste, puiser de l'eau et rentre immédiatement pour qu'on puisse cuisiner. N'y va pas commencer à discuter avec tes amis. Biko. D'accord, maman. Je vais pas discuter avec mes amis, je vais revenir immédiatement. Pas de problème. Maman. Ouais. Maman, j'allais oublier. Sais-tu que la maladie qui dérange Tin Yue n'est pas une maladie ordinaire? Elle a interrompu l'évolution de son bébé. L'avortement, maman. Ozumadji, peux-tu te taire? Me taire pourquoi? Je sais de quoi je parle. Tu sais que je suis radio trottoir. Je ne dis pas de mensonges. Je l'ai entendu d'une source sûre. J'ai aussi entendu que Mazie Nouzi veut renvoyer sa femme chez elle parce qu'il l'a surpris en train de le tromper dans leur lit conjugal. Peux-tu fermer ta diarrhée verbale? Peux-tu fermer ta bouche? Ozumadji, dois-tu dire tout ce que tu vois? Dois-tu dire tout ce que tu entends? Parfois, apprends à en garder une partie. Hein? Ce sont des secrets. Ce n'est pas tout ce que tu entends que tu dois parler. Fiaké, un jour ta bouche va te mettre dans les problèmes. C'est méchant. Maman, je vais puiser de l'eau. Un jour tu vas te mettre dans les problèmes. Hein? Je vais aller puiser de l'eau. Tine. Maman, est-ce que tu sais que maman Gina... Vas-tu aller puiser de l'eau? Désolée. À la source? Tu veux aller où? Va puiser de l'eau. Maman Ojina. Va puiser de l'eau. She knows everything. She's the eyes that sees all the secrets. She knows everyone and what they do. She is always at the right place at the right time. She sees everything. She knows everything. She's the eye that sees all the secrets. She knows everyone and what they do. She is always at the right place at the right time. Aye. She's the seer. Aye. She's the seer. She's the seer. Aye. Regarde comme il est beau. Regarde sa démarche. Tout beau, tout robuste. Aïe! Mais pourquoi continuer à faire ça? Pourquoi me cacher chaque fois que je le vois? Hein? Comment saurait-il que je l'aime? Et m'aimer en retour? D'accord, je vais l'appeler. Et... Non. Peut-être la prochaine fois. La prochaine fois. Others call her a gossip, but she's a tool in the hand of the ghost to save the land. Aye. She's the seer. Aye. She's the seer. She's the seer. She's the seer, messenger. Ike me sukanse, e bueno, nyone nankatara, hein? Ikene si kansi e bueno nyone nankataraka. Vérifie aussi, non, ce n'est pas bien, ça ne l'est pas. Amaka, calme-toi. Calme-toi. Sérieux, tu te comportes là comme si c'est maintenant que tu sais qui est Ozumadji. Sois détendu. Écoute, c'est quelque chose que Shinwe m'a dit en toute confiance. Je l'ai confié à Ozumadji. Elle m'a promis de ne rien dire à personne.
que... Maintenant, tout le village sait que Xiangwei a avorté. Et elle est très en colère contre moi. Regarde, je ne suis pas en train de supporter Osinachi. Mais le fait est déjà fait. Écoute, tire simplement une leçon de ce qui s'est passé. Et dorénavant, sois prudente. Sois vraiment prudente quand tu parles avec elle. Ok, maintenant tu me fais des reproches. Mais quoi? C'est maintenant ma faute. Quand l'ai-je fait? Non, tu me blâmes. Je ne suis pas en train de te blâmer. Si tu le fais, maintenant c'est mal de me confier à mon ami. Je ne suis pas en train de dire que tu as mal fait. Pourquoi devrais-je te blâmer? Regarde, ne laisse pas ce qui est arrivé t'atteindre, Maka. Ça va. Que ça ne t'affecte pas. Sois relax, ok? On va parler au Snatch. Et de façon personnelle, j'irai voir Tinui, ok? Je vais tout lui expliquer. Garde simplement ton calme. Relax. Ok? Ça va. Mais elle a gaffé. Oh. Ama. Elle a gaffé. Ah, Buka. Hey. Méfie-toi quand tu discutes avec elle. Pas oublié. Okwedje. Takatakodosa. Je serai plus prudente. C'est mieux. Je sais qu'elle quitterait la source où elle est allée puiser de l'eau et venir préparer et aller je ne sais où. Que fait-elle encore là-bas? Je sais qu'elle est déjà allée s'immiscer dans une affaire qui ne la concerne pas. Radio trottoir. Toujours en train de parler. Pas de problème. Pars et reviens. Je t'attends ici. Quel est ce genre d'enfant que j'ai? Qu'est-ce que c'est? Hein? S'il vous plaît, pardon, laissez-moi partir. S'il vous plaît, je vous supplie au nom de Dieu. Hein? Je sais que vous n'êtes pas des ritualistes. Pico, non, laissez-moi partir. Pas tu te taire! S'il vous plaît, ma mère va me chercher. Hein? S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je suis le seul enfant. Mais de qui ma s'en mère. Soucie? Ah ah! Ok, écoute maintenant. Écoute-moi et écoute très bien. Tu ferais mieux de te comporter. Ferme-la. Et garde tes forces pour quelque chose d'utile. D'accord. Je vais me taire, mais laissez-moi partir pour retrouver ma mère. Écoutez, je n'ai fait de mal à personne. Je n'ai fait de mal à personne. Oh, tu vas la fermer. D'accord. Mais si j'ai offensé la personne, chut. Vous avez la... Chut. Je peux m'excuser auprès de cette personne. Un mot de plus. Juste un mot de plus. Désolé. Idiote. Je suis le seul enfant. Je suis le seul enfant. Je suis le seul enfant de ma mère qui est mort. Où peut-elle être? Elle est allée puiser de l'eau depuis le matin. Osinachi. Depuis le matin? Maman. Maman, bon après-midi. Bon après-midi. Où est votre amie? Osinachi. Elle n'est pas avec nous, ma. Osinachi qui est allée puiser de l'eau depuis le matin? Je pensais qu'elle allait vous voir, vous, ses amis. Non, maman, nous ne l'avons pas vue depuis le matin. C'est pourquoi nous sommes là. Oui, maman, on est venu parce qu'on voulait lui parler. Oui. Donc, elle n'est pas à l'intérieur? Elle n'est pas là-haut, ma fille. Maman, bon sang, où aurait-elle pu aller?
C'est à moi que tu demandes. Je vous ai dit qu'elle est allée puiser l'eau depuis le matin et tu me parles de bon sang. Non, on va aller la chercher. Mais où est-ce qu'on va bien pouvoir aller la chercher là maintenant? Ah. Mais je viens de répondre à cette question. Son mot bon sang, c'est un nouveau mot français ou quoi? Parce que là, c'est un peu... Je vais chercher ma fille à la rivière. Maman, on vient avec toi. Oui, on t'accompagne. Tu n'es pas sérieux. Tu veux épouser la fille de ce village? Tu vois, laisse-moi te dire. Adabanifou, est la meilleure chose dans ma vie en ce moment. Je vais te choquer. Ok. Ce que j'attends, c'est ma part de terrain familial qui sera vendue le mois prochain. Et après cela, je vais l'épouser. J'espère que tu sais que Adabanifou est enceinte. Donc tu es son petit ami. Ce n'est pas bien haut. Hein? Tu as gardé ta petite amie et a kidnappé une autre personne. Et tu la gardes prisonnière. Je suis aussi la petite amie de quelqu'un. Vas-tu la fermer? Maître, une minute. De quoi parles-tu? Elle est enceinte de 2 mois. Adabanifou est enceinte de 2 mois. Ekene. Tu connais Adabanifou? Bien sûr, je la connais. Elle est enceinte. Elle est enceinte de 2 mois. Attends. Tiens, le petit ami. Ekene. Ekene, sérieusement, tu vas écouter cette fille stupide? Ekene. Je ne suis pas une fille stupide. Je suis Osinachi. Et je sais de quoi je parle. Elle est enceinte de 2 mois. Oui. C'est impossible. Je n'ai pas touché Ada depuis environ 4 mois maintenant. Alors comment se fait-il? Écoute, tout le monde me connaît dans ce village. Comme je l'ai dit avant, je m'appelle Osinachi. Je suis radio-trottoir et je dis toujours la vérité. Adabanifou est enceinte de 2 mois. Et... Une minute. Attends... Si tu n'es pas responsable de sa grossesse... Hey! Adabanifou! Petit... Hé, ça suffit! Si je découvre que tu me mens, je vais te tuer. Je ne mens pas. Ekene. Hein? Je n'arrive pas à croire que tu écoutes cette fille. Je ne la crois pas. Comment est-ce que tu peux penser cela? Alors pourquoi l'écoutes-tu? Je sais de quoi je parle. Tais-toi. Désolée. Grossesse de 2 mois et je... Tais-toi. On a compris. Désolé. Ikene si kansi ke wuelo jone na katara akwa. Ikene si kansi ke wuelo jone na katara akwa. Onowu. T'étais particulièrement génial aujourd'hui. Un peu mieux que les autres jours. Tu sais ce qui est drôle là maintenant? C'est que je n'étais pas là lorsque tu cherchais ton mari. J'aurais dû être ton mari. Non, s'il te plaît, ne remets pas ça sur la table. Et pourquoi pas? Tu sais que nous avons déjà parlé de ça il y a longtemps. Nous ne faisons pas déjà assez l'amour? Bien sûr. Hein? Ou tu veux faire de moi ta propriété ou quoi? Te posséder, c'est mieux. C'est mieux pour nous, tu ne trouves pas? Tu sais que c'est pas possible pour moi de t'appartenir entièrement. Tu le sais. C'est ce qui me fait le plus mal. Qui est là? Toi! Oh, coulé, Ayani! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu faisais là? Quoi? Tu quoi? Ma mère est malade. Et alors quoi? Elle m'a demandé de prendre sa place et de cuisiner pour le roi. T'as entendu quelque chose? Oui, j'ai tout. Non! Hein? Je n'ai rien entendu. L'idéal pour toi serait de n'avoir rien entendu. Oui. Ou alors, quoi que tu aies entendu, garde-le pour toi. Sinon, je ne te dis pas ce que je te ferai. Maintenant, dégage de cet endroit. Dégage! Dégage d'ici! Oui, va-t'en! Hors de ma vue! Désolé, ma fenêtre. Dégage d'ici! Tu écoutes les conversations des adultes, hein? Écoute, nous avons déjà des espions. Écoute, si elle a entendu toute notre conversation, cela va nous créer des problèmes.
toi, reste ici. Moi, je vais aller lui parler. D'accord? Au revoir. Hein? Ikene chikasi. Ikene chikansi. Igodono. Hein? Ma fille, je t'ai fait venir ici, eh bien, parce que j'ai quelque chose pour toi. Tu sais, j'espère vraiment que cela va beaucoup t'aider. Et j'espère vraiment que cela va t'aider à subvenir à certains de tes besoins. Tiens, prends. Voilà 50 000 naira. Prends-les. Allez, prends-les. Allez, prends-les, je t'en supplie, ma fille, et qu'ils puissent t'aider. Oh non. Je suis confuse. Pourquoi tout cet argent pour moi? Surtout ne sois pas confuse. Puisque tu as été témoin des choses que je parlais avec Lolo, il est très important pour moi que tu gardes le secret. Je t'en supplie qu'aucun être humain sur la terre n'entende parler de cela venant de ta bouche. Si tu peux faire ça pour moi, d'où ceci est venu, plusieurs autres viendront encore pour toi. S'il te plaît. D'accord, donc... Je ne dois dire à personne. À aucun être humain sur la terre. Même pas à Igwe. Même pas au roi. Même pas à ta mère. Même pas aux esprits. Je t'en prie, si tu réussis à le faire comme je te l'ai promis, tu auras encore plus d'argent et je t'emmènerai même à la banque centrale. Je ne plaisante pas. Je suis sérieux. S'il te plaît, je te supplie de tout mon cœur. D'accord. Garde ton secret et sois sérieuse. Je ne dois pas lui dire. Même à la femme qui m'a mise. Tous les... Ne le dis même pas à Dieu. Ne le dis pas à Dieu. D'accord. Tu entends? Ne le dis même pas à Dieu. Ok, je dois coudre mes lèvres. Colle tes lèvres. Oui. Et ne les ouvre plus à jamais. D'accord. D'accord, n'ouvre plus tes lèvres jusqu'à ce qu'on t'enterre. D'accord, je vais acheter le super. Oh non, dois-je... D'accord, je ne dirai rien à personne. Je venais comme ça chez toi. Venir chez moi pour faire quoi? Hein? Je t'ai donné ma position sur cette affaire. Coucher avec la femme de quelqu'un est immoral. C'est un péché terrible. Donc cherche à résoudre ça seul. Ne m'appelle plus. Je vais voir Igwe, s'il te plaît. C'est pourquoi je voulais que tu lui parles en ma faveur. Tu as une grande influence sur lui. S'il te plaît, aide-moi. Ono, tu vois, il n'y a pas de monde sans fissure. Nous avons tous nos mauvaises actions. Aide-moi ou alors je dévoile. Tu fais quoi? Je dis que je dévoile tout ce que tu sais. De quoi est-ce que tu es en train de parler? Hey. De quoi parles-tu? Bien, je sais pour toi et Lolo. Je suis pris, pas vrai? Il n'y a rien de caché sous le soleil. Dis-moi. Oui. C'est arrivé à ce point? Hein? Okunaga wala wala. Hanyana gala gala wa kufia. Awakemara. Hein? Bien. Il est mieux pour toi de m'aider. Pour qu'on puisse s'entraider. Hein? C'est à toi de faire le choix. Hey! Hey! Ikene sinsi. Kebul, doyena katakwa. Comment est-ce que... D'accord. Oh, Sinachi, cette fille. Après tout ce que j'ai fait pour elle. Mon Dieu. Cette fille stupide. Il faut que je la remette à sa place. En passant, je me demande vraiment ce qui empêche ces gars de la capturer. Je dois en finir avec elle. Ikene sikansi okwebo odonan katakwa. Hein? Ikene sikansi kebuelo odonan katakwa.
Es-tu sûre de ce dont tu m'as parlé? Je jure sur ma vie. Écoute, je m'appelle Osinachi. Tout le monde me connaît dans ce village. Et je suis radio trottoir. Je ne dis pas de mensonges. Tu peux faire tes propres recherches. Oui, fais tes recherches. Hein? Aïe! Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Qu'elle pouvait se comporter ainsi. Je l'ai toujours vue comme une sainte. Elle se comporte comme une sainte, comme la Vierge Marie. Hey! La sainte nous touche. Hein? Toujours en train de jouer la fille calme, la fille vertueuse. J'ai été choquée. J'ai été surprise. Hé, ça suffit. Tu parles trop. Ferme ta bouche. Mon ami est allé chercher la carte de recharge pour appeler au numéro. Et donc, je vais te libérer. Cours aussi vite possible jusqu'à chez toi. Je sais comment gérer les choses ici. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Ne t'inquiète pas, tu auras une autre petite amie. Tu auras une autre meilleure. Une personne bien. Tais-toi, ferme-la. D'accord. Bonsoir, Votre Altesse. Oh oui, c'est vraiment très urgent. Ah, c'est un problème. D'accord, Votre Altesse. Sans problème. Je viens de ce pas vous voir. Tout de suite. Merci, Votre Majesté. Ok. Ekene, est-ce que tu m'entends? Bien, je veux que les gars vous m'attendiez un tout petit peu. Attendez un peu. Je vous rappelle plus tard pour vous donner les instructions à suivre. Hein? C'est d'accord alors. Ok, c'est d'accord. Cette fille... Je vais m'occuper d'elle. She's the eyes that sees all the secrets. She knows everyone and what to do. She is always on the right place at the right time. She sees everything. She knows everything. Aussi, Nem, que s'est-il passé? Où est ton seau? Que t'est-il arrivé? Tu vas bien? Aussi, que s'est-il passé? Nous t'avons cherché partout. Oui, on était très inquiètes. C'est une longue histoire. Rentrons à la maison. Tu es sûre que ça va? Comme je l'ai dit, c'est une longue histoire. Rentrons à la maison. Majesté, je voudrais savoir, pourquoi est-ce que les gens se plaignent lorsqu'ils voient des constructions se faire ici et là sur la place du marché? Quel est le problème avec la taxe qu'on leur a demandé de payer? La vérité est que si ceux qui ont des magasins sont tellement entêtés à ne pas vouloir payer leurs impôts, alors on les éjecte, on les enlève et on met ceux qui sont prêts à payer sur le champ. Aussi simple que ça. De quoi est-ce qu'on parle? Oh non. Hein? Je me demande pourquoi ils se plaignent. Majesté, vous devriez connaître cette vérité partout dans le monde. Que cet être appelé être humain est toujours ingrat. Il est toujours têtu. Il se plaint toujours. Lorsque tu fais bien, il se plaint. Lorsque tu fais mal, il se plaint toujours. Tu ne peux pas le satisfaire. Tu as raison. Alors nous continuons. Comme je l'ai dit avant, ceux qui ne sont pas du tout d'accord à payer cette taxe, notre communauté, comment est-ce qu'ils veulent que notre communauté se développe? C'est la seule façon. Ils devraient être remplacés par ceux qui sont prêts à jouer le jeu. C'est très simple.
Surtout ne vous donnez pas de migraines à vous soucier d'eux. Hein? Hein? Honorou. Votre Altesse. Je vais y réfléchir. Faites-le. Je saurai quoi faire. C'est d'accord, Majesté, c'est d'accord. Cependant, je te remercie d'être venu aussitôt. Tu es un homme de confiance, tu sais. Honorou Kem. Igwe Neziganzi. Attendez, je vais vous dire. Igwe, les affaires de cette communauté sont très chères pour moi. Je me soucie de leur bien-être tous les jours. Votre gouvernement, je le soutiendrai à 100%, sans regarder en arrière et sans arrêt. Iba degima, degima. Iba neche, nechem. Iba yatoi, yatoi. Hey! Honorou! Votre Altesse! Tu es incroyable! Vous pouvez le dire encore! Hey! Honorou! Kanzi, edeji kanzi. Ajana burunga e nankatakpo. Onkwa encore, owa wa. Je le sais! Ah, ces gens ne voient pas du tout tous les efforts que nous faisons pour eux. Ah ouais, bien sûr, elle m'est très chère et j'ai un amour pour cette communauté, vous savez. D'accord, maintenant je vais prendre congé. Merci beaucoup pour ton soutien, je vais partir maintenant. Merci de m'avoir écouté. Dis-moi, les kidnappeurs dans ce village, quand est-ce que ça a commencé? Maman, j'ai eu de la chance. Londa a eu pitié de moi et m'a libérée. Oh. Hey! J'espère qu'ils ne t'ont rien fait comme... Ah, non, maman, non. Pas du tout. Ils ne m'ont pas touchée. Igwe doit entendre ça. Qui sait qui sera le prochain? Il doit renforcer la sécurité autour de cette communauté. Nous ne sommes pas du tout en sécurité. Maman, j'allais oublier. Hey! Sais-tu que l'un des kidnappeurs sort avec... Vas-tu juste la fermer? Ferme cette grande bouche. Veux-tu maintenant colporter sur les ravisseurs? Mon creux, il n'y a rien en dessous comme tu peux le voir. Regarde mon aisselle, pas le signe d'un cheveu. Va derrière, il y a le reste d'eau, utilise-la pour prendre ton bas. Mais maman, comme tu peux le voir, ils ne m'ont rien fait. Pourquoi aller prendre mon bain? Allons chercher notre seau. Quel seau? Celui qu'ont les kidnappeurs? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Écoute bien, nous n'allons aller nulle part. Hein? Pour réclamer le seau aux kidnappeurs? Pour qu'ils te kidnappent encore? Ils n'ont pas pris le seau, c'est tombé. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Va juste te laver et reviens pour qu'on continue la conversation. D'accord. Je voulais te dire ce que les kidnappeurs... Si tu parles encore, je vais m'évanouir. Désolée. En fait, pas juste m'évanouir. Je vais mourir. Maman, Adam Ban est fou. Elle a... Osinachi. Je veux te dire que la personne était... Hey! En tout cas... Non, mais c'est quoi cette bêtise que tu es en train de me sortir de ta... Ta sale bouche de rat! Ta sale bouche de rat! Hein? Je ne sais pas comment expliquer. Je suis allé me mettre à l'aise et quand je suis revenu, elle était introuvable. N'as-tu pas reçu des instructions de ne pas la laisser s'échapper? N'as-tu pas été averti? Hein, je te le demande! Honorou, nous avons fait comme vous avez dit. C'est pourquoi je suis confus, Honorou. Je suis confus. À qui est-ce que tu racontes toutes ces salades? Confusion? Nichiez pas moi. Je vais vous dire, si vous ne la cherchez pas, si vous ne la ramenez pas, hein, ce que je vous ferai, vous ne l'oublierez jamais de toute votre vie. Je vais en vouloir à votre vie. Je vais en finir avec vous. J'irai même jusqu'à vous éliminer tous les deux. Allez faire maintenant ce qu'il faut avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Bande incapable. Ikene sikansi, kebuka inekode nakatangwa. Bien nous, c'est pas moi. En fait, tous les deux, d'accord? Baka! Bande d'imbéciles. Honorou. La ferme. Ekene. Ekene, es-tu sûr que tu n'as pas libéré cette fille? Es-tu sûr que tu ne l'as pas libérée? Je te le demande.
Qui est le responsable? Responsable de quoi? Ne joue pas à la stupide et réponds à ma question. Tu n'as pas la moindre idée de ce dont tu parles. Qui est le responsable de ta grossesse? Ekene. Pensais-tu que je n'allais pas le savoir? C'est ce que tu penses? Réponds-moi! Ekene, s'il te plaît, calme-toi. Oh. Je peux tout expliquer. Alors c'est vrai. Ada, comment as-tu pu? Comment? Après tout l'amour et l'affection que je t'ai donné, je planifie même de t'épouser à la fin du mois prochain. Ekene, s'il te plaît. Je suis désolée, s'il te plaît. Ekene, c'était une erreur. Qui est responsable de ça? Mais qui? Parle! Qui? C'est Ebuka. Quel Ebuka? Ton ami. Ebuka fait ça? S'il te plaît. S'il te plaît, je suis désolée. Je ne l'ai pas fait intentionnellement, s'il te plaît. C'était une erreur. Ne me touche pas! S'il te plaît. S'il te plaît, ce n'était pas intentionnel. Laisse-moi. Ekene, s'il te plaît. Tu es méchant. S'il te plaît. Ekene, non. Ekene, non. S'il te plaît. Ekene! Snachi. Oui, maman. Vu ce qui s'est passé l'autre jour, coopérer avec la communauté de développement autour de nous. Oui. J'ai réfléchi à la meilleure façon de gérer ça. Alors, ça m'a fait réfléchir et j'ai appelé Shujioke de venir rester avec nous pour le moment, afin qu'il t'accompagne partout où tu veux aller. Hein? Que ce soit au marché, au ruisseau, même à l'église, ou rester ici avec toi quand je suis au travail, au palais, pour qu'aucun mal ne puisse t'arriver. Maintenant, il me faut un babysitter. Hmm. Tu veux un babysitter pour moi? Maman, c'est quoi cette histoire? Maman, maman ne m'insulte pas indirectement. Comment peux-tu appeler un garçon pour du babysitting? Hein? Tu veux l'appeler pour venir me regarder? Je suis une adulte, maman. Je peux bien prendre soin de moi. Ce n'est pas nécessaire. N'appelle pas Chuchu, ok? Je vais prendre soin de moi. Ne l'appelle pas. Je ne veux pas. Je ne suis pas intéressée. Maman, s'il te plaît, je n'aime pas ça. Biko, je n'aime pas ça. Qu'il soit petit, grand, ton aîné, ton cadet, c'est un homme. En plus, il ne se plaint pas. Je me plains, maman. Je me plains. Ah ah! Ce petit Chuchu, ok? Hein? Je ne veux pas, maman. Je ne veux pas. Assez. Cette discussion est close. J'ai pris cette décision. C'est ainsi et rien n'a changé. Point final. Rien n'a changé. Gifle-moi. Ne me regarde pas, juste gifle-moi. Maman. Maman. Maman, je n'aime pas ça. Va à l'intérieur. Je n'aime pas ça. Prendre un petit garçon comme mon babysitter ou quoi. Chercher un garde du corps pour moi ou des policiers pour me garder. Et non appeler ce petit garçon. Va à l'intérieur avant de devenir folle. Yo! Madame Faure, pourquoi ça tarde? À quand ce bouillon? Madame, où est la sauce? Calmez-vous, ne vous fâchez pas. Hein. Madame Foufou, qu'est-ce qui ne va pas? Madame Foufou, qu'est-ce qui te retient? S'il te plaît, apporte juste ma sauce. Apporte ça, moi. Juste manger à la et fin. C'est prêt. Manger à la fin. Je ne comprends rien. Nawo, qu'est-ce qui te retient? Manger à la fin et tu ne comprends pas où. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec elle? C'est que... Madame, apporte. Je vous l'apporte. Commence pas. Viens, commencez pas ici. Commence pas, ma tante. Je ne comprends pas où. Je ne comprends pas. Nawao. Dis-moi, frère. Comment tu fais? Madame Fou, où est la nourriture, non? Dépêchez-vous, madame. Dépêchez-vous. Commence d'abord par moi, Madame Fou. Ah, merci. Je viens. Madame Fou. Madame Fou. Madame Fou, je suis ici depuis le matin. Je ne comprends pas.
Madame, non, non, je viens. Non, 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 je pas. Suis la seule ici. Viens, par je ici. Viens, je viens. Je suis la seule ici. Oh, oh. Cherche quelqu'un qui pourra t'aider, oh. Cherche quelqu'un qui pourra t'aider. Tout notre argent que tu manges, tu n'as pardon, pas encore trouvé d'assistant. Nawao. Je veux manger seule. C'est une mauvaise chose. Nawao. Madame Foufou. Hein? Je suis là. Ah, on s'est bien. Je viens, hein? Je viens. Madame Foufou. J'arrive. Madame Fou, tu vas peut-être devoir m'en rajouter, oh. Madame Fourche, tu vas devoir m'en rajouter. Pardon. Tellement c'est bon. Madame Fourfour. Mon client des clients. Serre-moi, j'ai faim, s'il te plaît. Regarde, tu vois, elle nous a oublié. Oh, Madame Fort, Madame Fort, ça c'est le madame, madame Fourfou, Madame Fourfou, Madame Fourfou, Madame Fourfou. Nous sommes ensemble, nous sommes ensemble. Quelqu'un a besoin du remboursement? La star des stars, la star des stars, Madame Fort. J'ai compris, apporte le jus, oh. Je reviens. Madame Fourfou, viens, Madame Fourfou, viens. Les vrais clients, j'arrive, hein. Madame Fourfou, Madame Fort. Tu vois, je me régale. Ça fait tellement longtemps. Je n'ai pas mangé ce genre. Je me régale. Ah, c'est très bon. Madame Foufou. Oui. Qui veut goûter? Tu es une vraie femme. Madame Foufou. Madame Foufou. Viens plus. Vous n'êtes pas mes meilleurs clients. Madame Fourfou, pose ici, je pose ici. Viens ici, c'est pour vous. Pose ici, Madame Fourfou. Pose ici, Madame Fourfou. Le bouillon est fini. C'est fini à l'intérieur. Madame Fourfou, c'est fini à l'intérieur. Il ne reste que pour mon mari. Je viens. Bien. Tu as beaucoup changé. Je vais laver. Je viens. C'est toi qui lave ton plat. Tu vas laver. Je vais laver. Je suis là. Je vais laver, oh. Tu te bats bien. Madame Roman. C'est très bon. Et tu veux que j'en rajoute? Je viens. Peur. Dans ma communauté, c'est une première. Comment est-ce possible? Votre Majesté, je suis aussi surprise que vous. C'est pourquoi nous sommes venus vous informer pour que vous puissiez resserrer la sécurité autour de la communauté. Votre Altesse, Igwe, l'un des kidnappeurs m'a dit que c'était l'ancien. Votre Altesse, vous savez ce qu'elle dit? Que se passe-t-il? Non. Elle était en train d'essayer de vous expliquer qu'elle a entendu l'un des kidnappeurs dire que c'est à cause du chômage dans le pays qu'ils ont commencé à kidnapper pour avoir au moins de quoi manger et de quoi gagner leur vie. Non, ce n'est pas... Oui, c'est vrai. C'est ce que tu m'as dit à la maison, non? Non. C'est ce que tu m'as dit, est-ce que... Oui. Oui, votre Altesse. Oui, c'est vrai. Je sais que le gouvernement fait quelque chose à propos de ce sujet. Et dans ma communauté, nous faisons également tout notre possible pour stopper tout ça. Mais, Igwe, qu'en est-il des kidnappeurs? C'est très important. Je suis venu vers vous pour savoir comment les gérer, oh? Je ferai quelque chose à ce sujet, certainement. Hein? Cependant, as-tu fini à la cuisine? Oui, le repas est prêt. Je partais déjà.
Mais je me suis dit qu'il fallait que je vienne vous informer de la situation personnellement. D'accord, je t'ai entendu. Merci beaucoup. Igwe, nous allons devoir partir. D'accord. Ozinati, lève-toi en part. Igwe. Oui, merci. Lève-toi. Allons-y. Igwe. Excusez cette petite fille. Aya, et à quoi? Regarde-toi. Maintenant, écoute-moi. Si quelque chose arrive à ma fille, tu verras ce qui t'arrivera. Pauvre type, continue. Continue, si tu oses, tu paieras pour tous tes péchés. Tu paieras, tu paieras. Viens. Retournons au palais et... Non. Allons-y. Cet homme, il s'exposera sans doute. Cet homme que tu vois rendra des comptes à Dieu. Continue, la colère de Dieu te frappera. Continue. Allons-y, Ozinati. Allons-y. Votre Altesse. Oh non, je viens juste d'apercevoir Afoma et sa fille. Elle n'avait pas du tout l'air en forme. Oh non, sa fille a été kidnappée hier. Mais elle était chanceuse de les échapper. Kidnappée? Oui. Dans notre communauté? Hey! Mais pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait faire du mal à cette pauvre enfant? C'est ce que nous devons découvrir. Hey! Je ne sais pas. Nous le devons. Nous n'avons pas un tel phénomène aussi négatif dans notre communauté. Non, jamais. Hey, wow! Entre-temps, avez-vous pris une décision sur la taxe dont nous étions en train de parler la fois dernière? Les impôts? Oui. Hein? C'est la raison pour laquelle je t'ai appelé. Ok. Nous devons faire quelque chose à propos. Nous le devons. Nous le devons. Mais essayons d'abord de le voir sur... surtout tous les angles. Dans toutes les dimensions. Tout ce dont j'ai mentionné est un problème très important. Nous le devons. Everything, she's the eyes that sees all the secrets. She knows everyone and what they do. She is always at the right place at the right time. She sees everything. Donc si je t'avais pas arrêté, tu allais dire à Igwe que c'est Onowu qui a envoyé les kidnappeurs après toi. Ozinati, tu ne peux pas des fois fermer ta bouche. Tu ne peux pas trop parler tout le temps. Tu es une femme et les femmes ferment leur bouche. Ferme-la. Si tu l'avais fait, tu nous aurais apporté les problèmes en tant que famille sur le palais. Et toute la communauté, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu veux nous apporter des ennuis? Mais maman, où? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ozinati, ferme ta bouche. Qu'est-ce que c'est? Ozinati, ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on parle. Seul Dieu jugera sa cause. En plus, 99 jours pour le voleur, un jour pour le patron. En fait, un jour, le propriétaire finit par attraper son voleur. Ma fille, je t'en supplie, s'il te plaît. Pince, arrête. Dès demain. Allons-y. Bush is a tool in the hand of the ghost to save the land. I urge. She's the savior. I urge. She's the savior. Maman, je vais me mettre à l'aise. Je reviens. Je ne vais pas rester ici t'attendre. Dépêche-toi, tu sais où me trouver, je ne peux pas rester ici. To save the land.
Il me plaît bien. Ouais. Hey. T'as retenu aussi longtemps. Oh, je suis désolé. Qu'est-ce qui t'a retenu aussi longtemps? Je suis désolé, chérie. Je dois faire certaines courses pour ma grand-mère. Cependant, j'ai voulu faire un saut chez toi avant de partir. Tu sais bien que tu es précieuse. Pas toi. Les enfants sont sortis. Ah, oui. Ok. Alors, qu'attendons-nous, enfants? Mon fils. Maman. Mon adorable fils, tu es là. Maman. Tu es là. Maman, bon après-midi. Bon après-midi, mon fils. Merci. Ozzy, bon après-midi. Tu es là depuis longtemps. Depuis un moment. Merci, maman. Effectivement. D'accord, bienvenue. Je sais que tu dois avoir faim. Ah. Entrons pour que tu puisses manger quelque chose. D'accord. Comment va ton père, tes frères Ils et tout le monde? Bien. J'espère qu'ils vont tous bien. Oui. Ozzy, ma chérie, je suis déjà là. Ils ne feront plus rien. Ils ne feront plus rien. Nous sommes allés informer le roi du kidnapping. Nous sortons comme ça du palais. Viens, entre. Viens. S'il te plaît, pardonne-moi. Ekene, s'il te plaît. Ada, écoute-moi. Écoute-moi, je ne vais plus jamais te revoir. Et Ibuka et toi m'avaient trahi. Je ne serai plus jamais avec toi. S'il te plaît, sors de ma vie. Tu as trahi la confiance que j'avais pour toi. Non. Laisse-moi. Ekene, s'il te plaît, je t'en prie. Tout ce que j'ai fait, c'est parce que je t'aime. Écoute-moi très bien. Écoute-moi encore. Va avec ce bébé chez Ibuka. Il est le père. Je ne veux plus jamais poser mes yeux sur toi. S'il te plaît, sors de ma vie. S'il te sors plaît. De ma vie. S'il te plaît. Ekene, s'il te plaît. Ada, ça va. Arrête de pleurer. Mais qui a bien pu parler de ça avec Ekene? Tu es sûre qu'Ibuka n'était pas informé? Non, je ne lui ai rien dit. Je n'aurais pas pu lui dire. En ce cas, c'est très bizarre. C'est bizarre parce que je suis la seule personne à qui tu en as parlé.
Et ça doit faire environ 2 semaines que je n'ai pas vu Ekene. Ada, attends. Je veux que tu te concentres. Essaye de bien réfléchir. En dehors de moi, tu ne l'as pas dit par hasard à quelqu'un d'autre. Réfléchis. Ah, non, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai dit à personne. Cette histoire est trop bizarre. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. Mais ça va aller, hein? Arrête de pleurer, c'est bon, ça va, ça va. Attends, les larmes ne vont pas changer ta situation. Hein? Arrête de pleurer. Ça va. Okay. Ça va aller. Hein? Arrête de pleurer. Ça va. Les choses vont se changer. Hein? Arrête, arrête de pleurer. Arrête. Ça va. Ebuka, quoi de neuf, frère? Ebuka, comment as-tu pu? Comment as-tu pu me faire ça? Tu m'as trahi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as couché avec Ada. Non, dis-moi que tu n'as pas couché avec elle. Dis-moi. Je peux t'expliquer. Et c'était une erreur, en fait. Je suis désolé. Ebuka, je te faisais confiance. Ebuka, je te faisais confiance en tant que mon ami. Je pensais que je pouvais te la confier juste parce que vous êtes du même village. Mais non, j'ai eu tort. J'ai eu tellement tort. Je suis désolé, mon ami. Nous pouvons en discuter, je suis désolé. Désolé pour toi? Parce que tu nous as finalement détruits. Va récupérer ton bébé car elle est enceinte de toi. Quoi? Va rester avec elle. Je te déteste et écoute-moi très bien maintenant. Je ne veux plus jamais te voir près de moi. Sinon, je te tuerai. Méchant que tu sois. Méchant. Tu es méchant. Attends, toute franchise, ce que tu as fait est très grave. Une grave erreur. Tu n'aurais pas dû coucher avec Ebuka. Maintenant que tu es enceinte, dis-moi. Comment est-ce qu'Ekene va prendre ça? Comment? J'ai déjà un plan. En quoi est-ce qu'il consiste? Je ferai qu'Ekene couche avec moi avant la fin du mois. Et je lui collerai la grossesse. De cette façon, tout est réglé. J'aime tellement Ekene. Et je ne peux pas permettre que cette erreur s'interpose entre nous ou fasse obstacle. Ok. Et si jamais il ne couche pas avec toi? Je suis une femme. Et nous savons toujours comment s'y prendre. Il le fera certainement. Mais s'il te plaît. Je veux que tu le gardes. Pour toi. Tu es la seule à qui j'en parle. Et je voudrais que ça reste un secret. Ne t'inquiète pas. Avec moi, ton secret est bien gardé. Merci. De rien. Tu parles doucement. Donc, Ada est enceinte. Elle est enceinte. Hein? Et elle se comporte comme une sainte. Comme une vertueuse. Comme la Vierge Marie. Pourtant, c'est une Jézabel. Une dévergondée. Hey! Aussi, baisse la voix. Tu n'as pas besoin de crier. Hein? Ça suffit. Écoute, il n'y a pas de malheur sur notre terre. Le gars compte l'épouser. Et ça, probablement avant que son ventre ne sorte. Alors, ce n'est pas un problème. Il n'y a rien de grave là-dedans. C'est un gros problème, Olushi. Olu, c'est un gros problème. Parce que je connais cette stupide Ada. Coller la grossesse sur le dos d'une autre personne. Et elle va commencer à raconter les bêtises. C'est une mauvaise fille. Elle couche partout. Elle touche dos. Je la connais très bien. Donc c'est un gros problème. Mais oh. Mais est-ce que tu sais que le gars ne sait même pas encore qu'elle est enceinte? Mais on a dit qu'elle va le lui dire bientôt. Ah ah. Pourquoi bientôt? Elle doit dire au gars immédiatement.
pour que le gars vienne l'épouser et enlever la honte. Ça, c'est si elle a honte, parce que cette Ada, elle est sans vergogne, hein? Elle est sans vergogne. Ça suffit. Écoute aussi. Écoute-moi bien. C'est un secret. C'est confidentiel. Ne le répète à personne. Aussi, je répète. Ce que je viens de te dire, ne le dis à personne. S'il te plaît, ne raconte ça à personne. Nico, pourquoi je lui dirais? Ça ne me concerne pas. Je ne dirai à personne. Ce n'est pas comme si j'étais amie avec cette stupide Ada. Donc, je ne vais le dire à personne. En fait, maintenant que tu me l'as dit, j'ai même déjà oublié. T'es mieux. Il y a plein de choses importantes. C'est bien. Il faut que tu oublies. Ce n'est pas important. Mais attends, tu veux dire qu'elle est vraiment enceinte? Aussi, parle doucement. Tu veux me mettre dans les problèmes ou quoi? Je t'ai dit d'arrêter de parler de ça. Donc, elle a ouvert ses jambes pour un homme. Aussi, ferme ta bouche. Tu me vas trop. Oh, mon Dieu. Florcinacci. Comment est-ce que j'ai pu commettre une erreur pareille? Je n'aurais jamais dû lui en parler. Mais comment est-ce qu'elle a fait pour rencontrer Ikené? Elle ne le connaît même pas. Non. Il faut que je lui parle. Il faut que je tire ça au clair. Aussi Nachi. Hey, maman. C'est bon. N'est-ce pas? Vraiment. Très bon. C'est vraiment très bon. Je vois que tu aimes la nourriture. Moi. Maman. Bon après-midi. Bon après-midi. Salut. Salut. Maman, je suis venue voir Osinati. Elle vient juste de partir, tu ne l'as pas vue? Non. Elle a dû prendre une route différente de la mienne. Je ne l'ai pas vue. Mais elle a dit qu'elle partait voir ses amis. Et ses amis sont toi ou Amaka? Ok, je vais aller regarder si elle est chez Amaka. Parce que si elle passe à la maison, elle ne me trouve pas. Elle va forcément aller là-bas. Bon, maman, je vais partir. Aide-moi à dire aussi, Nadji, de vite rentrer à la maison. Je ne veux plus qu'elle mette l'eau dehors, comme l'autre fois. D'accord, maman, j'ai compris. Voici son cousin, Chijou. Ok. Il l'aurait accompagnée partout où elle irait. Mais comme il vient juste d'arriver, tu connais ta copine comme elle est. Elle aurait certainement plaqué quelqu'un. Ok. Idia, exactement. Ok. Chidoke, sois le bienvenu. Merci. Ok, maman, il faut déjà que je parte. Comment va ta mère? Maman, elle va bien. Bye bye. Elle est très belle. Non, je t'en reprends. Allez, maman. Maman, t'es jalouse. C'est pas vrai. Salut. Salut. Osinati, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien. Juste que tu as disparu de la circulation. Alors, où étais-tu? Tu m'as cherché? En fait, pas vraiment. Juste que je... Ah, rien d'important. Crois-moi, rien. Tu es sûr? Tu peux me parler, tu sais? En fait, c'est rien, ok? Je dois te laisser. Prends soin de toi, ok? D'accord. Tu t'en vas? Oui. Bye. Oui. À plus tard. C'est un engagement. Je te le dis maintenant parce que je veux que les choses soient claires pour que les choses ne se retournent pas contre moi. C'est un engagement. C'est, regarde, c'est la signature d'Onoru. Je lui ai fait signer ça. Je ne suis pas stupide. Cette histoire d'enlèvement, ha!
Je ne voudrais pas que cela se reproduise. Donc, il a signé ça. Il ne peut plus oser. Oh, oh. J'ai même d'autres preuves. Tout ce dont j'ai discuté avec Konoru, je l'ai enregistré ici. Parce que, avec cet engagement, il dira que c'est la signature de quelqu'un d'autre. Mais il ne peut pas nier sa voix. Avec ceci, je le tiens. Il ne peut pas nier. Parce que je l'ai enregistré. Donc, j'ai assez de preuves. Au cas où il essaye de faire le malin, je n'aurai pas pitié de lui. Je suis tout ce que ma mère a et je ne permettrai pas que quelque chose m'arrive. Donc c'est pourquoi j'ai pris le temps de faire ça. Alors qu'il ait les pieds sur terre. Et toi encore, tu voudrais jouer le malin ou qui que ce soit de ta bande qui essaierait de vouloir tenter ou vouloir porter atteinte à ma vie. J'ai tout ici, les preuves. Je vais aller les cacher quelque part dans mon armoire où personne... Non, pas dans mon armoire. Je veux dire, je n'ai pas besoin de te dire où je vais les cacher. Je vais les cacher où personne d'entre vous, même si vous envoyez des bandits chez moi, ils vont fouiller, ils ne verront pas. Je ne vais pas les garder chez moi. Donc, vous êtes avertis. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Ekene. Je ne sais pas, je suis juste... Vas-tu arrêter de pleurer? J'aime tellement Ekene. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Je sais, Ada. J'ai dit que j'allais lui parler. Arrête. Ça va. Ça va. Ça va aller. Je vais parler à mon ami. Et je te promets qu'il va revenir vers toi. Ça va aller. Arrête de pleurer. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est vrai, ça me fait de la peine, mais... Suis-je pas censé savoir que t'es enceinte de moi? C'est une erreur qui n'aurait pas dû arriver. Je l'ai pas prévu non plus. Mon enfant est impliqué maintenant. Et mon cas, je ne t'aime pas. Et je ne peux pas me mettre avec toi. C'est pourquoi je suis ici, pour qu'on parle. Et si on est réfléchi pour trouver une solution. Parler de quoi? De quelle solution parles-tu? Ebuka, s'il te plaît, je te prie à cet instant. Juste, va-t'en. Tu en as suffisamment fait, va-t'en. Nous pouvons juste en parler. Ebuka, s'il te plaît, je t'en prie. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi et va-t'en! Ebuka, tu m'as détruite. Tu as fait plus qu'assez. Peux-tu juste partir? Il n'y a pas de doute, ça aussi Nashi. Mais le problème maintenant, c'est de savoir comment elle a connu Ekene. C'est pourquoi je n'arrive pas à comprendre. Et en ce moment, Ada est très triste. Et bien que le plan qu'Ada avait planifié était mal, mais c'est sa vie. Nous faisons tous des erreurs et des choix. Donc personne n'a le droit de la juger. Aussi Nashi n'aurait pas dû.
Elle n'aurait pas dû. Oh, Sinachi, je n'ai jamais compris pourquoi on ne peut pas lui confier quelque chose. Même pas pour une seconde. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? De toutes les façons, je me lave les mains de lui dire quoi que ce soit. Plutôt que de lui dire quelque chose dans cette vie. Je préfère en mourir. Je l'espère. J'espère vraiment que je pourrai trouver une solution à ce problème. Je ne suis pas en paix avec cette histoire. J'ai très mal. C'est normal, non? Il ne le serait pas. Ah. Est-ce que je te verrai à nouveau? On pourra seulement se voir le week-end. Parce que généralement, le week-end, mon mari va au travail. Comme ça, on pourra avoir toute la maison, rien que pour nous. Ah! Je ne savais pas que tu étais si intelligente, hein? Mais pourquoi ton mari ne voit pas cette sucrerie que je vois en toi? Hi! Qui c'est? Maligodu Wakabente! Celui-là. Il n'est intéressé que par les sœurs. En tout cas, ce n'est pas mon problème. Aussi longtemps que tu vas me satisfaire et me donner tout ce que je veux. Pardon, parlons d'autre chose. Si. Bien. Ça. Allez, ma chérie, donne-moi un câlin. Je viens en paix. Non, continuez. Vous arrêtez pourquoi? Continuez, allez-y. Continuez. Femme mariée. Hey! Mazio Kiwa. Quoi? Hey! Donc c'est ce que vous faites dans ce village? Hein? Igwe doit l'entendre. Hein? En fait, cette communauté doit l'entendre. Pico. Non! Vos enfants devront l'entendre. Attends. Nous pouvons en parler, parler s'il te plaît. Parler de quoi? Aussi, pardon. De quoi allons-nous parler? Hein? De quoi allons-nous parler? Tout ce que vous faites, c'est de la fornication et l'adultère tous réunis. Hein? Moi, s'il te plaît. Pardon. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tu me demandes pardon? Tu devrais avoir honte de toi. Une femme mariée comme toi. Hé, hey, regarde ton beau mari. Se battant pour que tu aies une meilleure vie. Hé, hey, qu'a-t-il que ton mari n'a pas? Hé, hey, n'est-il pas un vrai homme au lit? Hein? D'accord, il ne sait pas comment le faire. C'est celui-ci qui t'est satisfait, n'est-ce pas? Ok. C'est très bien, pas de problème. Comme je l'ai dit, Igwe doit le savoir. Je vais vous exposer tous les deux. Aussi, s'il te plaît, je vais te donner de l'argent. Tu vas me donner de l'argent? Oui, je te donnerai. Hein? S'il te plaît, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Hein? S'il te c'est plaît. C'est tout ce que tu oui, as. S'il te plaît. Combien c'est? J'espère que ce ne sont pas de faux pieds. Ce n'est pas comme si je collectais ces miettes d'argent. Ce n'est pas comme si je prenais la dot de vous. Je suis un enfant de Dieu. Je suis une chrétienne. Je prends cet argent à cause de Dieu. Hein? Mais vous allez me donner plus d'argent. Je le ferai. Sinon, je vais parler. Biko. Sinon, Igwe saura. Biko. Et vos enfants. Calme-toi, s'il te plaît. Aussi, s'il te plaît. Mais vous devez arrêter. Ce n'est pas bien. Juste une fois, seulement aujourd'hui. Juste aujourd'hui. Oui. Peu importe. Arrêtez ça. Si ton mari ne sait pas le faire, montre-lui. Si ta femme, elle l'aide, ou je ne sais quoi, montre-lui. Hein? Merci. Parce que si je vous vois la prochaine fois, je vais parler haut. Et cet argent, si vous ne me donnez pas plus d'argent, je vais parler haut. Je Biko, vais parler. Biko. S'il te plaît, ne si le dis à personne. Si vous ne me donnez pas. Viens que je te dise. Ma chérie, merci pour ce moment. Merci, hein. Ma chérie. Hein? Voilà. Que se passe-t-il ici? Mazi est maudit? Kirou, la veuve. Mazi est maudit, donc c'est ce que tu fais avec Kirou, qui vient juste de perdre son mari. Ce n'est pas vrai. Et toi, Nkiru, la veuve,
Ton mari ne s'est même pas encore refroidi dans sa tombe que tu t'envoies déjà en l'air. Hein? Un guéro. Tout fier quoi. Honte à toi. Aussi, ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que je pense. Moi, je me l'ai dit. Aussi, que ce n'est pas ce que tu crois. Comme s'il savait ce que je pense. Hein? Tu veux me dire que j'ai des yeux mais que je ne peux pas voir? Suis-je aveuglée? Qu'essaies-tu de me dire? Hein? Et toi, Emodi? Ta femme va le savoir. Non, non, pas ça. Tes enfants vont le savoir. Cette communauté va le savoir. Igwe va le savoir. Et quant à toi, Nkiru, sans vergogne, ta famille. Hey, tu sais ce que ça signifie? La honte. Hey! S'il te plaît. S'il te plaît. C'est le travail du diable. Calme-toi. Oh, tu te mets à genoux. Je t'en prie. Et si tu leur dis, je serai fini. S'il te plaît. Pas la peine de te mettre à genoux. Très bientôt, tu vas t'allonger. Oh, donc tu sais que si je le dis, tu seras fini. Alors pourquoi tu le fais? Hein? Ton mari vient juste de mourir. Il ne s'est pas encore refroidi dans sa tombe. Que tu t'envoies déjà en l'air, en l'air, en l'air. Pas étonnant. Pourquoi je permets mon temps avec toi? Hey! Et toi, Emodi? S'il te plaît, calme-toi. Hey! Pas étonnant. Je comprends maintenant. Pas étonnant que ta femme... Maman. Tu es juste un homme sans vergogne. Un homme inutile. Hein? Et toi, qu'est-ce qui ne va pas avec vous dans ce village? Vous avez déjà transformé ce village en Sodome et Gomorre ou quoi? Je ne comprends pas. Les hommes couchent avec les femmes n'importe comment. Calme-toi, hein? S'il te plaît. Toi, trompant ton défunt. Et toi, trompant ta femme. Oh, Sinachi, ce n'est pas ce que tu penses. Oh. Ton mari n'est même pas encore refroidi dans sa tombe. Hein? Que tu couches déjà avec d'autres hommes. S'il te plaît. Tout fier à quoi? Hey. Vous êtes dégoûtant. Hey! Kirou! Hey! Many see her as a nuisance. Others call her a gossip. But she's a tool in the hand of the gods to sing. And what they do, she is always at the right place at the right time. Aye. Hey, Kune, écoute, je verrai comment il mettra ses pieds dans ce terrain. Repartira vivant. N'importe quoi. Je dois prendre ce terrain. Je prendrai ce terrain. Je viens en paix. Hey. Non, Fessi. Ose. Udo, c'est comment tu vas? Je vais bien. Hey. Comme tu peux le voir, je suis là. Je vais très bien. Ça, c'est bien. Donc tu veux tuer ton frère à cause d'un terrain ordinaire? Non. Ton propre frère, ton frère de sang. Non, hein? Ce n'est pas ça. Écoute, tu te trompes, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est? Dis-moi, qu'est-ce que c'est? C'est un acte de gourmandise.
de gourmandise. Tu as ton propre drôle, mais ce n'est pas suffisant. Tu veux tuer ton frère et prendre le sien. Non, 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 non. Je vais t'exploser. Hein? Crois-moi. Je vais t'exploser. Oh, Valentin. Je reprends le charme. Regarde, je le reprends. Attends. Regarde, j'ai un peu le charme. Attends, je suis désolé. Pardon. Je ne veux pas recommencer. Je ne veux pas recommencer. Pour qui me prends-tu? Allez, s'il te plaît. Pour une idiote? Je t'en prie aussi. Tu me prends pour une imbécile. Vas-y, écoute-moi, s'il te plaît. Donc si je pars maintenant, tu ne viendras pas l'enterrer? Moi? Tu me vois et tu le... Hey! Igwe Valentin. À la coupe, on l'appelle. Je vais exposer ça. Je vais t'exposer. À la coupe, tu es un homme méchant. S'il te plaît. Il ne sort que de la méchanceté. Vas-y, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je t'en... Tu veux me tuer? Hey! Hey! Tu veux me tuer? Pardon. Hey! Où vas-tu? Viens. Tu ne peux pas fuir loin de moi. Je vais t'exposer. Igwe va l'entendre. Homme méchant. C'est ce que vous faites dans ce village. C'est comme ça que vous tuez les gens. Pour un terrain vulgaire et ordinaire, tu veux tuer ton frère, ta chair et ton sang. Je vais tout droit chez Igwe. Ha! Hé! Hey. Je vais t'exposer. Tu veux tuer. Écoute, Osinachi, je t'ai appelé ici par rapport à cette chose que tu as vue plus tôt en journée. En réalité, tu n'as absolument rien vu. Tu veux dire qu'Osinachi est aveugle? Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que tu dois oublier ça, s'il te plaît. Sauf mon honneur. S'il te plaît. Oublie ça. Oublie que tu as vu quelque chose. J'oublie ça. Oui. Je n'ai rien vu. C'est pourquoi je t'ai apporté ceci. Beaucoup de... d'ignam et de nourriture, s'il te plaît. Prends ceci. Prends tout. Tu vois, une grosse ignam. Oui. Dans ces lignes. Et tu dis que c'est gros. Hein? Cette igname ne me suffit même pas. Comme tu peux le voir, je suis bien grosse. Ce n'est pas assez pour moi. Hein? Montre-moi le sac. Et ça, c'est quoi? C'est de l'igname ou du yabas? Regarde ça. Hein? Regarde la nourriture bon marché avec laquelle tu veux me soudoyer. Oh, gars, tu n'as pas d'argent. Oh. Vas-y, Fessi. Tu n'as pas d'argent. Je ne comprends pas. Et tu veux tuer ton frère pour prendre son terrain. Non. Hein? Non. Regarde les bêtises que tu m'as apportées. Je t'en prie. Sauf mon honneur, s'il te plaît. Je t'en supplie. Comme tu peux le voir, j'ai beaucoup de nourriture. Tu m'en apportes. Je t'en apporterai plus. Beaucoup de choses à manger. Je t'en apporterai plus. Hein, s'il te plaît. S'il te plaît, t'en fais pas. Hein, c'est pour moi. Merci. Merci. En fait, porte-les et suis-moi. Hein? D'accord. Non, c'est bon, je m'en vais. Porte-les et suis-moi. Apporte-les. Ne t'en fais pas, je te suis. À la coupe, à l'ordre. À la coupe, à l'ordre. Aussi longtemps que tu garderas ça entre nous, je te promets que tu ne vas pas le regretter. Ok, Wa. Hein? Tu es un vieux. Aussi. Aussi. Tout ça pour moi. Hein? Pour toi. Merci. C'est en tout. Merci. Une minute. Il y a quelque chose que tu devrais savoir sur Renaud. Qu'est-ce que c'est? Maudit. Je viens en paix. Aussi. Comment tu vas? Je vais bien. Prends ceci. Pour moi? Oui. Vas-y, compte.
see her as a nuisance. Others call her a gossip, for she's a tool in the hand of the gods to save the land. Many see her as a nuisance. Others call her a gossip. C'est complet. Ils m'ont dit merci beaucoup. Tu es un nom réglo. C'est cool. Merci, ma fille, d'avoir accepté. S'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux plus d'argent? Hein? Dis-moi, tu veux plus d'argent? Oui. Mais qu'est-ce qui ne va pas vraiment avec les gens de ce village, cette communauté? Hein? Pourquoi les gens suscitent-ils la joie en faisant le mal? Aujourd'hui, les maris trompent leurs femmes. Et les femmes trompent leurs maris. Les frères essayent de tuer... d'autres frères. Hein? Et ils veulent que je me taise. C'est impossible. Je ne peux pas me taire. Hein? En tant qu'homme, si tu vois que tu as une libido incontrôlée, mais tu peux épouser 2 ou 3 femmes. Ou 5. Non, tu peux prendre 10, même 20. Épouse différentes formes et tailles. Les grosses femmes, les minces femmes, les grandes femmes, les courtes femmes, les brunes, ou les noirs. Comme ça, si c'est la brune que tu veux aujourd'hui, tu fais avec. Si c'est la grosse demain, tu vas de ce côté. Et tout le monde sera content. Même les jeunes garçons et filles sortent avec les maris et les femmes des gens. Je ne comprends pas. Ça fait mal à la tête. Je ne comprends pas. Hein? Ha! Oh! Je remercie Dieu pour mon amour. Il n'est pas dans ces choses que font les gens de ce village, malgré le fait qu'ils soient très beaux et très travailleurs. Très bientôt, il réalisera combien je l'aime et m'aimeront en retour. Nous commencerons à nous aimer. J'oublierai tout ce que les gens de ce village font. Nous allons vivre heureux pour toujours et à jamais. Thank you.
Qui peut y croire? Le marché est très saturé. Ils se font de l'argent sur le marché. Mais ils se plaignent du fait que les recettes, que le niveau est élevé. Non! Je vais voir le Nouveau pour qu'il fasse quelque chose à propos de ça. Quelque chose d'urgent. Si possible, il devrait augmenter le prix de tout sur le marché. Il doit l'augmenter. Non, nous devons le faire. Nous devons augmenter. Mais tout d'abord, je vais aller voir le Nouveau. Je suis désolée, non. Hein? Je jure, hein? Je n'en ai pas parlé à grand monde. J'ai juste dit à... Tabo, Tchekoubé et Tini. Juste trois personnes. Je n'ai pas dit à beaucoup de gens. Osina, c'est trois personnes. Oui. Osina, c'est trois personnes qui étaient égales à 10. Osina, je t'ai supplié de ne rien dire à personne. Ama, je les ai suppliés. Je les ai suppliés de ne rien dire à personne. Que c'est un secret. Je ne sais pas comment ça se fait que tout le monde soit au courant. Je ne sais pas. Je les ai suppliés. Hein? Je suis désolée. D'accord. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais aller chez Chinwe pour m'excuser auprès d'elle. Hé, attends, arrête ça. Pourquoi aller chez Chinwe pour t'excuser? Et donc, elle saura maintenant que c'est moi qui te l'ai dit. Oh mon Dieu. C'est vrai. Mais c'est bon, non? D'accord. Peux-tu lui parler? Que voulez-vous que je fasse? Osina, c'est que tu apprennes à fermer ta bouche. Apprends à garder ta bouche cousue. Si quelqu'un te dit quelque chose et te dit de ne rien dire à personne, apprends à la garder ainsi. Ne peux-tu pas garder en secret? Je le ferai. Hein? Je vais apprendre à la garder ainsi. Tu es désolée. Et en ce qui concerne Da, je me rappelle que tu es la seule personne à qui je l'ai dit. Comment est-ce que tu as fait pour rencontrer son petit ami Ekene? Comment? Hein? Celui-là? Ce petit ami Dada est un criminel. Il était parmi ceux qui m'ont kidnappé. Ces kidnappeurs-là, il était parmi. Oui, je pensais qu'ils allaient me faire du mal. Donc je l'ai trop entendu parler Dada et j'ai... Et puis quoi? Osina, tu qu'est-ce que tu as fait? Aussi la bavarde. Tu fais quoi? Ministre de l'Information, t'es permise de leur raconter un secret qui ne te concerne même pas. Secret aussi délicat. Comment as-tu pu? Ça te dérange même. Je suis désolée. Arrête d'être désolée. Change. Aussi, change. Change. Tu es désolée. Je suis désolée. Tu es désolée, tu vas changer. Si seulement tu avais conscience du mal que tu as causé. J'espère que tu en es consciente. Avant de dire je suis désolée. Je vais changer. Désolée. Demain, tu iras le dire à un autre. Ce qu'on t'a demandé, et même ce qu'on ne t'a même pas demandé, tu vas les raconter. Non, je ne dirai rien. Je vais couler ma bouche avec du super glue. Désolée. Hein? S'il vous plaît, je dis que je suis désolée. She sees everything. She knows everything. She's the eyes that sees all the secrets. She knows everyone and what they do. She is always at the right place at the right time. She sees everything. She knows everything. She's the eye that sees all the secrets. She knows everyone and what they do. She is always at the right place at the right time. I Osinashi, c'est pas vrai. Où est-ce qu'elle est allée? Osinashi! Osinashi! Osi! C'est pas vrai. Osi? Tu es toujours là? She's the sea.
Toi qui portes les deux seaux, où est Osinachi? C'est là, Osinachi. Maman, tu ne le croiras pas. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu sais que, lorsque nous revenions, nous sommes arrivés à un endroit où elle a dit qu'elle voulait se mettre à l'aise, dans la brousse quelque part. Je lui ai donc permis d'y aller, et je suis resté, là, sur place. J'ai attendu qu'Osinachi sorte. Elle n'est pas sortie. Maman, devine quoi? Je pense qu'elle veut échapper à ma surveillance. Quoi? Oh oui. Quoi? Je la suspecte également. Osinachi. Cette fille, Osinachi ne changera jamais. Elle ne changera jamais. Mon fils, ne sois pas en colère, s'il te plaît. Cette fille viendra me trouver dans cette maison. Ce qu'elle veut là, elle le verra. Ce qu'elle veut voir là, elle le verra. Elle me cherche, elle va me trouver. Osinachi. Pas de problème. Porte-l'eau à l'intérieur, mon fils. Elle viendra nous trouver ici. Ne t'inquiète pas, mon fils. Biko. Ce soleil brûlant. C'est-à-dire... Ah! Osinachi. Pas de problème. Mon fils, ok. Désolé. Ma sœur. Ces jours-ci, tu es rayonnante, hein? Ça se fout que l'homme-là te garde bien. Né, il est dans ma paume de main. Oh. Tu ne me fais pas confiance? Oh! Hey! 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 Quoi? Hein? Donne aussi à ton ami. Yeah. Hein? Si tu manges, laisse aussi ta sœur manger. Makane na inukuno. Né, depuis que tu m'as présenté à Ono, ma vie a changé radicalement. Ma sœur, ma chère, il m'a même dit qu'il allait augmenter ses revenus et même sa royauté. Ogene. Avant, quand je te le disais, tu voulais jouer à la femme parfaite. Je ne savais pas que toi aussi tu en avais besoin. Ma sœur, ne m'en veux pas. Hein? Ne m'en veux pas. Si c'est pour cet homme, je n'ai même plus son temps. Je m'en fiche même s'il apporte de l'argent. Avec mes enfants, mes bébés, on se nourrit très bien. Portant des bons vêtements et même pour leur scolarité, je ne m'inquiète plus. Qu'ils donnent, qu'ils ne donnent pas, je ne me plains pas. Qui donne, qui ne donne ma pas. Ma sœur. Je m'en fiche. Et merci, non. Eh bien, Dieu merci que tu aies décidé de faire le bon choix. Hein? Un homme qui ne peut pas bien prendre soin de sa famille n'est pas digne d'être appelé homme. Tu as tout dit, ma sœur. Quel jardin. Hey. Mmh. Un homme inutile. Ah, et Chinano, non. Et Chinano, non. Hey, Ogeshi. Oh, non. Ezio Onkukunu. Je viens en paix. Eh? Osinachi. Donc tu écoutais notre conversation. Non, j'étais sourde et muette. Alors c'est ce que vous faites avec Ono? Hey. Hein? C'est ce que vous faites avec Ono. Pas de problème. Je vais dire à vos maris d'être responsables. Mm-hmm. Parce qu'Ono prend leur responsabilité. Donc c'est ce que vous faites. Hein? Je t'en prie. Mm-hmm. Pourquoi tu t'excuses? Parlez de quoi? Hey! Hein? Pas de problème, nous allons en discuter. Pas de problème, hein? Mais d'abord, j'irai dire à la femme d'Ono qu'elle n'est pas la seule à servir son mari, Ono. Et j'irai dire à vos maris qu'Ono prend bien soin de vous comme il se doit. Hein? Vous serez exposés. Hey. Regardez-vous toutes les deux. Et vous êtes fiers d'en discuter. Ono, pas étonnant. Hey! De temps en temps, ils augmentent les impôts de ce village pour rendre les choses difficiles aux gens dans ce village. Hein?
tout ça pour vous satisfaire. Non, non, non. C'est pour satisfaire Kidon. Honorou fait tout ça pour vous. Hein? Nous pouvons en parler, s'il te plaît. Viens, viens, viens. Viens, s'il te plaît. Je n'ai plus rien à faire ici. Hey. Mais je reviens. Mais nous sommes finis. Je reviens. Si. Hey, arrête de trembler. Ne t'inquiète pas. Hein? Toute personne dans cette vie a un défaut qu'il cache. Hey, Inkem. Wow. Mon amour, tu as été un vrai dieu au lit. Hey. Tu es mon sucre à jamais, chaque nouveau jour. J'aimerais quitter mon mari pour toi. Hey, voyons. Tu sais que ce n'est pas possible. Bien sûr, tu sais qu'il te donne de l'argent. Et toi, tu prends soin de moi. Mais nous pouvons... Chérie, n'évoque pas ça. Ok? Je pense que je devrais aller avant que les gens ne commencent à rentrer du travail. D'accord? Je te reverrai. Tu vas me manquer. Tu vas aussi me manquer. Bye bye. Au revoir. Hey. She does everything. She's the eye that sees all the secrets. She knows everyone and what they do. She is always in the right place at the right time. Hey, c'est vraiment délicieux. Madame Fo? Mon pote Su. Hey, quoi de neuf? Ah, tu es là. Ekene, mec, je te laisse. Quel est le problème? Ekene. Madame Fo? Madame Fo? Hein? Et Bouka? Apporte-moi une Heineken. Et d'accord. Et un plat. Le bouillon est encore au feu. Je comprends pas. Combien de temps ça va prendre? 2 heures. Quoi? 2 heures? Oui. Ah, oh, d'accord, je vais patienter. Donne-moi Heineken. D'accord. J'ai pas le choix, je vais attendre. J'aimerais te demander, quel est le problème entre toi et Ekene? Parce que, comme je vois, vous n'êtes pas en bon terme. Quel est le problème? S'il te plaît, dis-moi. C'est rien de grave. C'est rien de grave, on n'a pas de problème. Ah! Radio Trotto est de retour. Ministre de l'Info. Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé en chemin? Elle pleure. Hein? Pourquoi pleure-t-elle? Osinati, pourquoi pleures-tu? Il t'est arrivé quelque chose? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ne peux-tu pas parler? Osinati! Osinashi! Osinashi! Ah. Chijioke, est-ce qu'il s'est passé autre chose que ce que tu m'as dit à ton retour? Maman, je te dis que je ne connais pas. Ha! Osinati! Je ne la comprends pas. Osinati! Maman, je ne peux pas. Maman, laisse-moi, c'est pas vrai. Je veux partir. Elle est assez grande pour prendre soin d'elle. S'il te plaît. Maman, je ne veux pas que cette situation la fasse pleurer de nouveau. Je ne le veux pas. Je ne le veux vraiment plus. J'ai compris, mon fils. Mes salutations à tout le monde. Au revoir. Au revoir, mon fils. Tu es maintenant heureuse?
Il est maintenant parti. Continue. Et on verra. Osunachi, je suis vraiment désolé. Tu es désolé? Ikem, tu es désolé? Je veux dire, il y a plein de belles filles dans ce village. Hein? Pourquoi une femme mariée? Ikem, tu es beau, tu es jeune. Hein? Pourquoi elle? C'est une longue histoire. J'espère que tu es conscient de ce que cela impliquerait si son mari venait à le découvrir. Tu ne lui diras pas, n'est-ce pas? Osez-moi. Na, ne te fâche pas, oh. Tu peux prendre ceci, hein? Il n'y en a plus où celui-ci vient. J'en ajouterai plus. Ce sera la prochaine fois quand tu viendras, ma chérie. Tiens. Enlève ces conneries sur moi. Écoute-moi et écoute très bien. Reste loin, Dikem. Reste loin. Sinon, ton mari entendra parler de ça. Hé, aussi, ce n'est pas arrivé. Reste loin de lui. Si tu ne restes pas loin de lui, pas juste ton mari, la communauté entière, Igwe, tout le monde sera au courant de ça. Tu es averti. Tu es une honte. Eh wow, aussi. Aussi, Nashi. Lolo, tu vois cette Osinachi Ke. C'est une véritable épine dans ma jambe. Je ne sais vraiment pas quoi d'autre faire à son sujet. Hein? Oh non. Nous lui donnerons de l'argent. Une somme qui l'empêchera de nous trahir. C'est ce que nous allons faire. Lolo, si tu connaissais cette fille autant que moi, tu conviendrais avec moi que, quel que soit le montant que nous lui donnerons, d'autres personnes seront encore prêtes à lui donner encore et encore. Et éventuellement, elle se mettra à parler. Elle commencera à parler. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Dis-moi. Lolo, mettons fin à cette relation. Tu ne peux pas dire une chose pareille. Ne le redis plus jamais. Toi et moi savons très bien que le roi ne m'accorde pas assez de temps. Je ne me rappelle même pas la dernière fois que lui et moi on a fait l'amour. Alors me demander d'arrêter maintenant, c'est impossible. Lolo, Sa Majesté, votre mari, est un homme qui m'est très cher. Je suis son homme de confiance. Il m'apprécie beaucoup. Il me fait tellement confiance en le moindre doute. Oh, comment réagira-t-il quand il entendra ceci? Oh non, arrête de pleurnicher comme un poltron. Tel oh non, le premier ministre de cette communauté, la deuxième autorité. De quoi est-ce que tu parles? Tout problème a une solution et nous allons trouver une solution à ce problème. Alors arrête! Ikene sikansi, kibwelo, donye nankata akwo. Ikene sikansi, kibwelo, donye nankata akwo. Oh non, quand l'arme est déclenchée, la balle arrive à sa fin. Nous allons trouver une solution. D'accord, mon amour. Arrête de te faire du souci, on trouvera une solution. Ah, maman, arrête ça. Je n'aime pas ça. Maman, arrête. Je n'aime pas ça. Hein?
D'abord, c'était mes amis Amaka et Olushi. Maintenant, toi, hein? Pourquoi devrais-je aller voir le pasteur? Pourquoi? Pour me délivrer de quoi exactement? De la diarrhée verbale. De la diarrhée verbale. Toujours en train de parler. Tu ne vois pas que tu as un problème? Hein? En fait, tu devrais savoir que le diable t'utilise. Donc il doit te laisser tranquille pour que tu progresses dans la vie. Ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça, s'il te plaît. Je n'ai aucun problème. Et le diable ne m'utilise pas. Maman, tu devrais être heureuse que ta fille expose tous les hommes et femmes méchants de cette communauté. Et non parler du diable. Le diable ne m'utilise pas. Et pour ton information, maman, je ne vais voir aucun pasteur. C'est impossible. Je ne vais pas l'essayer. Osenati, tu n'oserais pas me désobéir. Tu n'essaieras pas. Tu n'oserais pas désobéir à ta mère. Sinon, tu vois cette maison, elle sera trop petite si tu le fais. Essaie de me défier, tu verras. Essaie de me défier, tu verras. C'est ta carte que tu joues, n'est-ce pas? C'est le chantage émotionnel, maman. Parce que tu sais que rien sur cette terre ne me fera te désobéir. Hein? Mais maman, qu'il neige ou qu'il pleuve, je n'irai nulle part. Je ne vais voir aucun pasteur. Tu n'oserais pas me désobéir. Maman, je n'irai nulle part. Tu n'oserais pas sinon. Osinati, sinon, ne fais pas que je prononce ce mot. Parce que si je le fais, ça va aller mal pour toi. Je ne vais voir aucun pasteur. Ekene? Ekene, mon pote? Eke? Ada, ça suffit. Ça suffit. Tu dois te ressaisir. Ce n'est pas la fin du monde. S'il te plaît. Ada, nous sommes désolés pour tout ce qui t'arrive. Écoute, essaye de te ressaisir. Hein? Tout ça va passer. Je pense que j'ai trouvé un moyen de gérer ça. Ada, je ne vais pas te soutenir dans ce choix d'avortement. Tu ne peux pas avorter. Tout le monde est déjà au courant. Et si tu le fais, ça va te créer plus d'ennuis. Non. Je ne compte pas avorter du bébé. Je veux juste quitter ce village et partir. Très loin. Je suis fatiguée de les voir tous les deux se chamailler et se bagarrer à cause de moi. Je vais partir. Mais je reviendrai une fois que tout ceci sera fini. Ada, ce dont tu as besoin, c'est de quelqu'un qui va prendre soin de toi. Quelqu'un qui pourra veiller sur toi. T'enfuir n'est pas la solution. Ce n'est pas le bon choix. Oh, Luthi, je pense que je comprends ce qu'elle veut dire. Si elle sent qu'elle a besoin de partir, pour mieux se calmer et réfléchir sur sa vie, je pense que c'est mieux pour elle. Nous devons l'accepter. Ça va aller. Tout ira mieux. D'accord? Si tu le dis. Je sais que Amaka et Olushi sont celles qui ont poussé maman à m'envoyer faire cette défense. Elle ne s'inquiète pas. Je vois là mon pasteur. Elle va là. Hein? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un va bien et on veut qu'elle aille à la délivrance. Pourquoi? Tous ces hommes et femmes méchants, ces garçons et filles qui commettent le mal dans cette communauté, ils ne les voient pas pour leur demander d'aller à la délivrance. C'est à Osinashi. Hein? Moi qui suis innocent, qui n'ai rien fait. Je n'ai pas le choix, je vais partir. Si je ne pars pas, ils diront que je désobéis à ma mère. Nous avons ainsi prié au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pasteur. Ah, Omachama, dis-moi, que faisais-tu tous ces jours, hein? Tu as arrêté de venir me voir? Non, j'ai été occupée. Ah. Tu étais occupée dimanche dernier. Aussitôt que nous avons fini le culte, fiam, tu es partie. Ça va aller. Ça Même quand j'ai convoqué une réunion pour les jeunes, tu as décidé de ne pas venir. Je suis là maintenant. Tu es déjà là. Tu vas me rendre top. Viens, viens. Je viens en paix.
La Bible dit dans Romains 16, verset 16, oui. Saluez-vous avec un baiser saint. Oui. Les paroles sont inscrites ici. Oui. Saluez-vous les uns Amen. Et les autres. Oui. De salut, Toto. Amen. C'est exactement oui. de quoi parle la Bible en ce qui concerne les relations. Amen. C'est ce que disent les faux prophètes. Les faux pasteurs. Les menteurs comme vous. Pasteur Okedi, un baiser saint. Un baiser saint, pasteur. Qu'est-ce que c'est là? Je dis ce que disent les Écritures. C'est écrit dans Romains 16, verset 16. C'est écrit dans la Bible. D'accord, c'est écrit. Pas de problème. Je vais donc aller le dire à Ekwe, à toute la communauté et ta femme, les membres de ton église, vu que c'est écrit. Non, tous les membres de ton église vont l'entendre. Aussi, vu aussi, que c'est écrit. Nadie, on n'en est pas c'est arrivé écrit. Là. On n'en est pas arrivé là. Nous pouvons nous entendre. Oui, te plaît. Nous pouvons nous s'il entendre. S'il te plaît, viens t'asseoir, s'il nous te plaît. Nous pouvons nous entendre. Il n'y a rien à gérer. Et toi, sœur en Christ, tu n'as pas honte de toi? Hein? Couché avec ton pasteur. Idiote. Attends, s'il te plaît, aussi, s'il te plaît, prends place. Nous pouvons régler ça. Régler hein? quoi? Hein? Nous pouvons gérer ça comme des frères. Qui est ta sœur? Tu ne dois dire à personne, il n'est pas bon pour un enfant de Dieu de bavarder, je veux dire. Parler aux gens de certaines choses qui sont réservées aux enfants de Dieu. Donc c'est du commérage que je fais? Tu veux dire que je suis aveugle? Hein? Je suis aveugle? S'il te plaît, Osinachi, nous pouvons gérer ça. D'accord, bien, voilà ce qu'on va faire. La semaine prochaine, comme je l'ai dit, c'est notre semaine d'action de grâce. Je peux partager tout ce que nous recevrons. Étant donné la moitié, les gens viendront avec des poules, des chèvres, tu sais, la viande de brousse, des différentes offrandes et même des biscuits. Et toutes ces provisions. Tu peux commencer le commerce avec la moitié et les autres, tu en fais tes provisions. Donc hein? tu veux qu'on partage les offrandes de ton église? Nous sommes des frères. Nous avons la communion. Hein? Nous communions. Nous possédons tout ce qui est en Christ ensemble. S'il te plaît. Communion. Tout en Christ ensemble. Ikwe doit l'entendre. Osinachi. Ta femme doit l'entendre. N'implique pas Sonda. Pourquoi vous décevez ainsi les gens de ce village? Hein? S'il te plaît, n'implique pas Sonda. Je ne dois pas impliquer Sonda. Hein? Je ne dois pas impliquer Sonda. Ce n'était pas intentionnel. Ce n'était pas intentionnel. Et la fille que j'ai vue ici, ce n'était pas intentionnel. Et quand je vous ai vu vous embrasser, ce n'était pas intentionnel. Pasteur, mon œil. Et quand je pense que ma mère m'a envoyé ici pour une délivrance. Pasteur... Ne parle pas ainsi. Ne parle pas ainsi, s'il te plaît. Tu peux garder ça en tant qu'enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ne colportent pas. Ils ne colportent pas. S'il te plaît. Ne te mets pas en colère. Est-ce que ta mère te l'a dit? Je veux dire, est-ce qu'elle te l'avait dit? Me dis quoi? Je ne comprends pas. Attends, tu veux dire que ta mère ne t'a pas dit que Feu Mazio Belago n'est pas ton père biologique, mais aucun roi? Oh, Shinati, m'as-tu arrêté pour ces bêtises? Quel genre de blague est-ce? Yeah! Moi, Osinachi, je dis des bêtises ou des blagues. Hein? Regarde-moi très bien. J'ai l'air de blaguer. J'ai entendu ta mère discuter avec aucun roi. Hein? Je jure, c'est vrai. Chidiri, je sais que ça sera difficile, mais nous devons chercher un moyen pour nous dire la vérité. Pourquoi faut-il attendre? Comment? Que veux-tu dire? Elle a toujours su que mon défunt mari était son père biologique. Hein? Ça va vraiment la briser en Kenwa. Chidiri, je suis déjà brisé. Hein? Elle doit savoir que je suis son vrai père. Elle doit le savoir. Elle ne me pardonnera pas. Pourquoi? Elle ne pourra pas. Ma belle famille ne pourra pas non plus me pardonner. Nous ne pouvons pas faire ça maintenant. Nous avons encore besoin de temps, s'il te plaît. Ok, Wa. Je ne peux pas les affronter maintenant. Je ne peux pas les affronter. Non. Bien. Peu importe ce que voient les gens. Peu importe ce qu'ils entendent. Nous ne serons ni les premiers, ni même les derniers. Tu m'entends? Laisse l'abcès se percer. Et finissons-en une bonne fois pour toutes. Non, Kiwa. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas le faire. Tu dis que tu ne peux pas? Je ne peux pas. Tu ne peux pas? Non. Eh hey. Oui, je ne le ferai pas. Je ne peux pas. Tu ne le feras pas. Tu ne peux pas. Ngwanu Sobadiru.
Casse-toi. D'accord, ne le fais pas. Attends, non, tu pars? Je viens. Je suis désolée, je l'ai entendu, j'ai tout entendu. Non, 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 ça ne peut pas être vrai. Non, je ne crois pas à ça. Non, tu non, dois non. Maman, maman, maman. Bordel. Je ne vais pas croire à ça, je ne le ferai pas. Maman. Tu as la même taille, coquin roi. Maman. Le même nez, les, maman. Les mêmes yeux. La seule différence, maman. C'est que tu as pris le teint de ta mère. Désolée, maman. Je suis désolée. Maman! Maman! Hey, maman! Maman, comment as-tu pu? Maman! Onye! Maman! Onye, qu'est-ce qui s'est maman, passé? Maman, comment ma fille? Peux-tu me faire ça? Comment peux-tu? Je t'ai fait confiance. De quoi est-ce que tu parles? Je t'aimais. C'est quoi le problème? Tant à moi, maman! Pourquoi? Mais de quoi est-ce pourquoi que tu parles? Pourquoi m'as-tu caché la vérité? Quelle vérité? De quelle vérité tu parles? Sagoshidachi, je ne l'aurais pas su. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Masi Okewa était mon père biologique? Maman, pourquoi? Je suis désolée, ma chérie. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. C'est une erreur qui m'est arrivée qu'une seule quelle fois. Quelle erreur stupide! Papa t'aimait. Papa a presque tout fait pour toi. Pourquoi l'as-tu trahi, maman? Pourquoi? Je t'en prie, ça n'arrivera plus. Je te le jure. S'il te plaît, cet ma fille. Cet homme inutile ne sera jamais mon père. Je ne porterai jamais son nom. Jamais. Lolo. Oh non. Tout ceci pour moi? Oui, ma chère. Vois-tu, ceci, ce n'est rien. Ouais, tu le mérites pour exactement. Ton silence. Exactement. Exactement. Et, Osinachi, en dehors de toi, tu... Okinwa est la seule autre personne qui est au courant de ce secret. Et tu sais... oui. Oui, bien sûr. Alors si éventuellement un jour, il essaie de nous faire du chantage... Nous attendons de toi que tu nous supportes. Ouais, c'est ça. T'es intelligente. Très bien. Comme je le disais, tu es éveillée et intelligente. Tu es l'une des meilleures filles que nous ayons ici. Vois-tu, je l'ai toujours dit. Et plus nous serons satisfaits, plus nous remplirons tes poches. Ouais, ouais. Nous n'avons aucun problème pour ça. Je vous remercie. Ah, très bien. Je crois que nous avons oui. terminé. Alors, tu peux partir. D'accord. Au revoir. Merci. Ouais. À plus. Lolo. Ouais. Vous êtes si belle. Lolo, vous savez, j'apprécierais si vous me donnez ces bijoux, bracelets, boucles, des vêtements. J'apprécierais si vous m'en donnez quelques. Pour que, lors de certaines occasions spéciales, ma mère et moi, nous les portions. Vous savez, pour être aussi élégante que vous, hein? Ne soyez pas fâchés, vous. C'est... Ce n'est pas un problème. Hmm? Viens. Viens au palais en soirée. Hmm? D'accord. Merci. Il n'y a pas de problème. Les bracelets, les colliers, tout. Même certains de vos habits. Il n'y a pas de problème. Merci. Où
à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.